Selon les dernières statistiques de l'UNESCO, le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est de 51% et 2/3 d'analphabètes sont des femmes. Un constat préoccupant qui interpelle l'Association des femmes commerçantes de Bekin et l'ONG Limania. Ces deux structures veulent apporter leur contribution à la réduction de ce taux relativement élevé, d'où l'organisation de cours d'alphabétisation au profit des commerçants de la région de Bekin. Objectif, donner à ces femmes les connaissances nécessaires pour une meilleure gestion de leurs activités commerciales. Nous avons constaté sur le terrain ici à Boaké que les femmes ne sont pas alphabétisées et elles ne savent ni lire ni écrire. Et il y a plusieurs expériences qui nous sont revenues pour dire qu'il y a des femmes qui se sont fait gruger en voulant bien faire. Et c'est en cela que Mme Faye a demandé de lancer ce projet d'alphabétisation pour aider ses sœurs de Boaké. Quand tu sais déjà lire et écrire, c'est très très important. Pour nous commerçantes, je demande aux autorités de Boaké de nous aider à donner des kits aux femmes parce qu'elles sont très motivées. Les apprenantes ont 6 heures de cours par semaine. Le programme s'articule autour de la lecture, de l'écriture et du calcul, un programme auquel adhèrent les apprenantes.